الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله الكرام، أوفي زامل فان كني الله سبحانه وتعالى جموجوا أنسي كفو لكن الله سبحانه وتعالى سشي الله سبحانه وتعالى أنفوي محمد عليه الصلاة والسلام أدك ستغل لا إله إلا الله لن ميريك أدراسيون سيسني الله. الله جل جلاله أفيد صندر لليبر pour cette parole qui est la ilaha illallah. Allah Jalla wa Ala a envoyé l'ensemble des prophètes et messagers pour la ilaha illallah. Allah Jalla wa Ala a créé cette vie d'ici-bas et l'au-delà pour la ilaha illallah. Salutant d'Allah al-Kiram, الله جل جلاله أردنا سبحانه عليه الصلاة والسلام de connaître, de prendre connaissance de cette parole qui est لا إله إلا الله. الله تبارك وتعالى يا سبحانه عليه الصلاة والسلام sache, c'est un ordre, فاعلم sache que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Regardez, Allah Jalla wa Ala ordonne à son prophète alayhi salatu wa salam de connaître cette parole qui est la ilaha illallah. Et cet ordre-là est valable pour toute la communauté, parmi les hommes et les femmes, les djinns et les ins, les personnes âgées et la jeunesse. Ceci est une obligation, mes chers frères et sœurs, de connaître la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle a des conditions. C'est pas tous ceux qui disent cette parole la ilaha illallah rentrent au paradis. La ilaha illallah est une clé, la clé du paradis, et une clé liée à des dents, et les dents c'est les conditions de la ilaha illallah. La porte du paradis ne va pas s'ouvrir excepté si cette clé a des dents afin d'ouvrir cette porte. Et bien dans le Coran, combien de musulmans et musulmanes ne connaissent pas les conditions de la ilaha illallah? Parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est la science, la connaissance, c'est-à-dire le fait de connaître la négation et l'affirmation, de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Jalla wa Ala, et d'affirmer cette adoration doit être vouée exclusivement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parmi les conditions de la ilaha illallah, la certitude. Que tu sois convaincu, tu as la certitude, tu n'as point de doute. Lorsque tu prononces cette parole la ilaha illallah, tu ne doutes point, tu n'as pas le doute, car celui qui doute, il fait partie des hypocrites. Ayyadan billah. Parmi les conditions de la ilaha illallah, la sincérité. Lorsque tu prononces cette parole, tu dois être sincère. Dans ton cœur, tu la prononces sincèrement pour Allah, non par ostentation, non afin de te préserver, mais de la prononcer sincèrement pour Allah Jalla Jalalu. Parmi les conditions de la ilaha illallah, que tu sois véridique. Lorsque tu la prononces cette parole,
Tu es véridique, tu n'es pas un menteur, car celui qui ment n'est pas véridique et la parole n'est pas acceptée. Il se doit d'être véridique dans son cœur lorsqu'il la prononce. Parmi les conditions de la ilaha illallah, l'amour, aimer cette parole, aimer la ilaha illallah, et vers quoi indique cette parole, d'adorer Allah Jalla Jalalu Subhanahu wa Ta'ala, Ibad Allah al-Quran. Celui qui n'aime pas cette parole n'a pas de la ilaha illallah. Parmi les conditions de la ilaha illallah, le fait d'accepter cette parole, qui est la ilaha illallah, tu l'acceptes avec ta langue et avec le cœur. Celui qui rejette cette parole, qui n'accepte pas cette parole, point de la ilaha illallah. Parmi les conditions de la ilaha illallah, une fois que tu l'as accepté, alors tu te soumets à Allah Jalla wa Ala. Tu te soumets à cette parole qui est la ilaha illallah. Avec ta langue, tu dis la ilaha illallah. Avec ton cœur, soumission à Allah Jalla wa Ala. Et avec les membres, tu appliques. Qu'est-ce qu'indique cette parole qui est la ilaha illallah? Celui qui ne se soumet pas à cette parole n'a point de la ilaha illallah. Les savants disent, celui qui vient manquer une de ces conditions, parmi les conditions que nous avons évoquées, il n'a point de la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-t-tuqa wal-afafa wal-ghina. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك.